Bonjour, mesdames, messieurs, et bienvenue à cette édition d'Essentiel qui vous présente les faits saillants de la semaine politique à Ottawa. Une semaine dominée par l'éventuelle vaccination contre la COVID au Canada. Alors que plusieurs pays, dont les États-Unis, se disent prêts à lancer leur opération de vaccination avant Noël, Justin Trudeau a dû se contenter devant les journalistes de viser les premiers mois de 2021. On s'attend à obtenir des millions de doses de vaccins contre la COVID-19 au début de l'année prochaine, avec des doses pour tous les Canadiens au courant de l'année. On va travailler avec les provinces et les territoires et avec les communautés autochtones pour déterminer comment on va distribuer ces doses. Et on va s'assurer de suivre les conseils des experts de nos différents groupes consultatifs qui sont composés des meilleurs scientifiques en la matière au pays. Il y a de très bonnes chances, si tout fonctionne bien, qu'on puisse vacciner la majorité des Canadiens d'ici septembre prochain. Et cela a valu au premier ministre Trudeau une salve de critiques de la part des partis d'opposition aux communes. On en fera l'analyse dans un instant avec notre panel de journalistes. Mais d'abord, sur la vaccination comme telle, à quoi peut-on raisonnablement s'attendre? Je me suis entretenue avec l'épidémiologiste Nima Machouf. Bonjour, Mme Bégin. Le premier ministre Trudeau dit qu'on va recevoir les premiers vaccins au début de 2021. Santé Canada affirme que dans le meilleur des scénarios, le Canada pourrait recevoir d'ici le mois de mars 6 millions de doses pour vacciner 3 millions de Canadiens. Je vous demanderais d'abord, d'entrée de jeu, vous les attendez quand, vous, les premiers vaccins au Canada? Je pense que personne ne peut se prononcer là-dessus parce que pour l'instant, la seule chose qu'on a, c'est des fabricants qui disent que mon vaccin est bon. On a vu, la communauté scientifique n'a pas encore vu les résultats des études vaccinales. Et alors, il faut qu'on les voie. Premièrement, la communauté scientifique va statuer là-dessus pour voir si les résultats sont intéressants ou pas. Et après ça, il va avoir des démarches auprès des autorités sanitaires pour que les autorités sanitaires approuvent ce vaccin-là. Et par la suite, on va voir quand est-ce qu'on va en avoir. Je ne sais pas. Mm-hmm. Mais ce n'est pas réaliste de penser qu'en janvier, on va commencer à piquer les gens. Pas du tout. Bon, que ce soit, disons, à partir de février, parce que vous dites que ce ne sera pas possible en janvier, ce serait difficile que ce soit le cas en janvier. Donc, que ce soit février, mars, avril, peut-être mai, une fois que le Canada va recevoir les premiers vaccins. Bon, on sait que c'est les provinces qui vont l'administrer, comme ça avait été le cas pour le H1N1 en 2009. On se rappelle qu'au Québec, ça s'était plutôt bien passé. Évidemment, les questions que tout le monde se pose, c'est qui va être vacciné en premier, qui sera en deuxième, ça va se faire dans quel ordre, à partir de quels critères. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le déroulement d'une campagne de vaccination massive? Comment ça va se passer? C'est le gouvernement provincial qui va prendre ses décisions pour établir les priorités et tous les canaux de distribution pour les vaccins, les cliniques et tout ça. Tout dépendamment de quel vaccin ils vont acheter. En fait, on ne sait pas c'est à quel vaccin qu'on va avoir accès non plus. Donc, tout dépendamment du type de vaccin, les endroits où on va pouvoir se faire vacciner vont être très différents parce que les conditions de préservation des vaccins est très, très différente. Puis ça peut faire toute la différence. La chaîne de froid, s'il faut les garder dans la glace sèche à moins 70 degrés et tout ça, ça va être beaucoup plus compliqué que si on a accès au vaccin qui peut se garder au frigo. Alors, tout ça, ce seront des éléments que le ministère de la Santé va décider. Il va établir les priorités. Normalement, la logique voudrait que les travailleurs de la santé soient parmi les premiers qui reçoivent le vaccin. Après ça, le reste des travailleurs prioritaires, essentiels, seront ceux qui vont recevoir les vaccins et aussi ceux qui souffreront le plus de la COVID, donc au niveau des décès et tout ça, c'est-à-dire la population âgée. Et par la suite, la population en général. Évidemment, ça fait beaucoup de monde en bout de ligne à vacciner. On nous dit que le Canada a un des meilleurs portefeuilles de vaccins au monde. On doit comprendre aussi qu'il y aura suffisamment de vaccins pour tout le monde. Est-ce qu'on doit s'inquiéter à ce sujet-là? Bien, je pense que au Canada, non. À travers le monde, oui, parce qu'il y a beaucoup de monde à vacciner, probablement pas assez de vaccins. Donc ça, c'est selon les autorités sanitaires mondiales, comme l'OMS et tout ça, qui doivent travailler beaucoup pour rendre le vaccin accessible à tous ailleurs. Mais ici au Canada, on n'a pas à craindre la quantité de vaccins. Le gouvernement semble dire qu'il en a commandé bien au-delà de nos besoins.
Alors, tout dépend de si les vaccins vont passer la cote d'acceptabilité et quand est-ce qu'on va y avoir accès. Donc, c'est quand même assez exceptionnel ce qui se passe avec le vaccin de la COVID. Hein. On commence à en produire avant même qu'on sache si c'est un vaccin qui est efficace et qui va nous servir ou pas. Oui. Donc, mais on devrait quand même pas trop s'inquiéter sur la quantité qu'on va recevoir. Tout le monde devrait être vacciné. Alors que tout le monde, évidemment, a hâte de voir la lumière au bout du tunnel. Ça fait presque 10 mois qu'on est dans cette pandémie. Quand pensez-vous que tous les Québécois, puisqu'on prend l'exemple du Québec, peuvent espérer être vaccinés? Est-ce que ça va être fait d'ici, on peut espérer que ça soit d'ici la fin de 2021? Ah, bien avant la fin de 2021, à mon avis, on sera tous vaccinés si la COVID est toujours là. Et ça me paraît invraisemblable qu'elle disparaisse. Mm-hmm. Mais je pense que à partir de l'été 2021, on devrait tous être vaccinés. On est quand même assez bon. On a un système de santé qui est assez bon, très bien distribué, réparti. On a des structures sanitaires nécessaires. On a déjà fait l'expérience de vaccination avec le SRAS, après le SRAS, avec le H1N1. Mm-hmm. Donc, moi, je suis pas inquiète à ce niveau-là. Je pense que le gouvernement sera en mesure d'orchestrer tout ça. Et donc, une vaccination qui devrait être complétée à l'été. On va se laisser sur ces paroles optimistes. Nima Machouf, épidémiologiste, merci beaucoup. Merci, Madame Bégin. Au revoir. L'arrivée au Canada des fameux vaccins contre la COVID, ce sera justement notre premier sujet d'analyse avec notre panel de journalistes, Joël Denis, Altia et Conrad, que je retrouve avec plaisir. Bonsoir, vous trois. Bonsoir. Conrad, je débute avec vous ce soir. Si les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, entre autres, commencent à vacciner leur population avant le Canada, quels pourraient être les effets sur le gouvernement Trudeau? Ce serait un problème, je ne sais pas si c'est majeur, ça dépend de la durée de l'attente, mais évidemment... Il est illusoire de penser que le Canada aurait pu mettre en place un système de distribution de vaccins ou la fabrication de vaccins qui dépasse ce qui est disponible, surtout aux États-Unis, durant cette pandémie. Mais le gouvernement a fait sa job en sécurisant assez de vaccins pour les Canadiens, mais effectivement, il va y avoir un débat sur pour la durée de la vaccination, comment ça va être distribué et qui va être responsable. Oui, justement, Altia, on sait que c'est les provinces qui vont administrer les vaccins. Elles sont impatientes d'avoir plus de détails. Elles pressent le gouvernement Trudeau de leur donner plus d'informations. Elles veulent savoir quand on va leur envoyer les vaccins, combien on va leur en envoyer. L'opposition aux communes reproche au gouvernement de manquer de transparence. Est-ce qu'Ottawa informe adéquatement les provinces au sujet des vaccins, vous pensez? Bien, je pense que la réponse, on va le savoir demain matin. Parce que, comme vous avez mentionné, on a vu le premier ministre Ford aujourd'hui répéter des questions auxquelles il aimerait avoir des réponses. Puis aussi, lui-même, dire qu'il trouverait que ce serait complètement inacceptable si les Canadiens voyaient que les Américains se font vacciner, puis les Canadiens doivent attendre 2 ou 3 mois plus tard pour se faire vacciner eux-mêmes. Alors, lui aussi a dit, comme le premier ministre Legault, qu'il voulait savoir combien de vaccins, quand ils allaient arriver, parce qu'ils ont besoin de savoir combien d'infirmières ils vont avoir besoin ou de gens qui vont aller vacciner tout ce monde-là, qui devrait les avoir. Puis le premier ministre a promis des réponses aux autres premiers ministres ce soir durant leur appel, le 22e, je crois. Mm-hmm. Puis aussi, on a eu plus de réponses, le public a eu plus de réponses avec le premier briefing qui va être le premier de plusieurs. On nous a dit d'en attendre un tous les semaines maintenant sur la distribution des vaccins. Alors aujourd'hui, on a appris qu'il va y avoir probablement que ça va être au mois de janvier, probablement que ça va être environ 3 millions de Canadiens, les gens les plus vulnérables, les gens qui travaillent avec ceux qui sont les plus vulnérables, qui vont se faire vacciner en premier. Bon. Joël Denis, on parlait des provinces il y a un instant. J'aimerais vous entendre sur le gouvernement du Québec qui s'est aussi retrouvé sur la sellette cette semaine relativement à son plan de match entourant les célébrations de Noël. L'opposition à l'Assemblée nationale lui reproche d'avoir rendu son plan peut-être un peu trop vite la semaine dernière. Est-ce que le gouvernement Legault est allé trop vite en affaires avec ses célébrations de Noël pendant 4 jours entre le 24 et le 27 décembre?
Je pense que oui. Je pense que le gouvernement s'aperçoit aussi qu'il est allé trop vite en affaires. Il aurait peut-être dû attendre 2 semaines avant Noël, donc à la mi-décembre, avant d'annoncer ses couleurs. Et ça fait en sorte que ça entraîne encore plus de confusion. Et qui dit confusion, qui dit aussi colère, parce que les gens ne savent plus vraiment sur quel pied danser, sur quel rigodon danser pendant le temps des fêtes. Donc, ça fait en sorte que maintenant, on se doit de composer avec cette confusion. Et le gouvernement Legault se retrouve sur la défensive. Et probablement, je ne serais pas étonné à ce stade que l'on doive revoir ce qui avait été annoncé à la lumière des cas qui seront en éclosion à partir des prochains jours. Donc, une décision qui va être revue et corrigée. Et ça fait en sorte que, pour le gouvernement Legault, on se retrouve manifestement sur la défensive. Oui, on a senti que le gouvernement Legault rétro-pédalait un peu cette semaine, justement, sur son plan de festivité. On va y aller maintenant sur le débat sur la protection de la langue française au Québec. C'est poursuivi de plus belle cette semaine à la Chambre des communes. Il y a même eu un débat exploratoire mercredi soir sur la situation du français à Montréal. Un débat historique. On va en écouter un extrait et on en discute dans un instant. On doit moderniser la loi pour les langues officielles. Et on a besoin d'un projet de loi avant Noël, M. le leader en chambre, pour le gouvernement. Il demande à des partis fédéralistes de respecter la juridiction exclusive et la légitimité absolue des Québécois, seulement des Québécois, et juste des Québécois, de protéger leur langue nationale. J'aimerais savoir si le chef du Bloc québécois est capable de comprendre que l'on peut être libéral, conservateur, bloquiste, NPD, ou peu importe, et aimer profondément le Québec. Alors, unanimité à la Chambre des communes. Conrad, on l'a vu, le chef du Parti conservateur du Canada qui se dit en faveur de l'application de la loi 101 aux entreprises fédérales. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Mais le diable est dans les détails. C'est comme le projet sur le rapport d'impôt unique, là. Tout le monde est en faveur, en principe, mais le diable est dans les détails. Mais tout ce que ce débat sur la langue indique, c'est que le Québec va être au centre de la prochaine élection fédérale, que les circonscriptions québécoises vont être hautement contestées. Il va y avoir, comme la dernière élection, des luttes à trois dans plusieurs circonscriptions. Tous les partis essaient de gagner du temps. Mélanie Joly, la ministre qui est responsable de la loi sur les langues officielles, et dit des belles paroles sur la volonté du gouvernement fédéral d'étudier le dossier de la langue et de protéger le français. Et elle ne donne pas les détails sur ses intentions. Maintenant, la question d'appliquer la loi 101 aux entreprises sous juridiction fédérale est largement symbolique parce qu'on sait que toutes les entreprises fédérales de taille respectent déjà pas mal la loi 101 au Québec. Mm-hmm. La question est savoir dans une grande autre entreprise comme une banque ou Air Canada, qui la moitié, sinon plus, de leurs employés sont anglophones, unilingues, une entreprise qui doit travailler sur l'échelle nationale. Il va de soi qu'une grande partie du travail soit en anglais. Ça s'applique même à une entreprise comme Desjardins, qui a beaucoup d'activités en Ontario, par exemple. Ouais. Quand même, Altia, le premier ministre Trudeau a été quand même interrogé par les journalistes là-dessus cette semaine au sujet de l'application de la loi 101 aux entreprises fédérales. Il refuse évidemment de se commettre, mais il ne ferme pas la porte. Est-ce que M. Trudeau pourrait être d'accord finalement à ça? Ça ne me surprendrait pas, franchement. Je crois que même, on l'a vu dans le discours du trône, que les langues officielles, il y avait, je pense même, 3 paragraphes au sujet de la modernisation de la loi puis l'engagement que Mélanie Joly voulait faire envers le Québec et les communautés francophones minoritaires aussi à travers le Canada. Qu'est-ce qui était peut-être plus intéressant, c'est les politiques dont Conrad discutait. Premièrement, on a vu que Erin O'Toole, lui, il semblerait en faveur. On a vu que les conservateurs croient qu'ils ont une ouverture maintenant avec les propos de la députée anglophone de Montréal qui semblait questionner si vraiment il y avait des problèmes d'anglicisation de Montréal et puis que les
les gens avec plus de poids, disons, autour de M. Trudeau, comme Mme Joly, comme Pablo Rodriguez, sont venus vraiment pour redéfendre, être maintenant à la défensive au lieu de l'offensive sur les langues officielles, sur le français au Québec. Puis ça, c'est vraiment intéressant, puis je suis entièrement d'accord avec Conrad que c'est à cause que tous ces partis qui croient qu'ils sont dans une position très compétitive aux élections, des élections qui pourraient être ce printemps ou plus tôt. Oui, arriver effectivement aussitôt que ce printemps. Joël Denis, c'est le premier ministre du Québec qui a parti le bal avec la volonté d'assujettir aux entreprises, c'est-à-dire les entreprises fédérales à la loi 101. On attend la réforme de la loi 101 au début de 2021. Est-ce que ça pourrait créer de nouvelles frictions entre Québec et Ottawa, pensez? Oui, il y a des frictions à prévoir parce qu'évidemment, il y a des députés du Québec dont l'électorat est composé à la fois d'une partie d'anglophones qui ne sont pas très, très chauds à l'idée de voter en faveur de la loi 101, même à la Chambre des communes. Donc, ce serait un revirement assez spectaculaire. Il faut dire aussi que cet accrochage-là, on s'y prépare. Mélanie Joly, me dit-on, discute régulièrement avec son homologue québécois qui s'occupe du dossier de la Chambre de la langue française, la loi 101, donc c'est Simon Jolin Barrette, le ministre de la Justice. Elle lui parle régulièrement pour savoir où il s'en va avec la loi 101, mais aussi pour le mettre au parfum, pour qu'il sache où s'en va le fédéral, pour qu'il y ait un peu un accord et non pas une division sur la question linguistique, parce que ce serait une crise qui pourrait être majeure et qui pourrait faire réduire les chances du gouvernement de Justin Trudeau d'obtenir un autre mandat. Maintenant, le débat qu'on a vu hier soir est quand même exceptionnel en ce sens que ça a mis à lumière le consensus, même l'unanimité des partis, de l'ensemble des partis politiques vis-à-vis de l'importance de protéger et de promouvoir la langue française. En ce qui me concerne, c'est une excellente nouvelle pour les Québécois, oui, mais aussi pour les francophones à travers le pays, de voir que des partis fédéraux se soucie à ce point de l'avenir de la langue française au pays. Oui. Un mot sur l'énoncé économique d'Ottawa, parce qu'on a finalement eu une date cette semaine. Ce sera lundi prochain, le 30. Baptême du feu pour la ministre Chrystia Freeland, Mme Freeland qui a promis des règles et des limites budgétaires. Écoutez, on a à peu près, vous avez chacun à peu près 30 secondes parce que le temps file. Conrad, vous nous parliez plutôt la semaine dernière des attentes quant à des encres fiscales. Vous vous attendez à quoi dans cette mise à jour économique lundi? En quelques secondes. Madame Freeland a fait son lit et qu'il n'y aura pas d'encre fiscale dans le document de la semaine prochaine. Les libéraux semblent se tenir à l'idée que la dette est durable tant et aussi longtemps que les taux d'intérêt sont plus bas que le taux de croissance économique. Et c'est ça leur ligne pour l'instant. Il va voir si, avec l'énoncé économique et le budget de l'an prochain, si les marchés vont acheter ce message ou que les demandes deviennent de plus en plus fortes pour le gouvernement adopte des cibles beaucoup plus musclées pour remettre les finances publiques sur les rails. Altia, en 20 secondes, vous vous attendez à quoi lundi? Même pas grand-chose, honnêtement. Ça va être un gros test pour Mme Freeland parce qu'à cette date, elle est quand même a eu beaucoup de succès dans tous ses dossiers. Maintenant, elle arrive dans une situation qui n'est pas l'idéal, mais elle a préparé le terrain. Les gens savent, je pense, à quoi s'attendre. Il y a d'autres gens qui veulent beaucoup plus pour le tourisme, pour les compagnies aériennes, pour les garderies. Alors, je pense que beaucoup de gens vont regarder, voir s'il y a des signes, des cadeaux. Mais ça va être un test pour Mme Freeland. Oui. Joël Denis, le mot de la fin. Au Québec, on sait que malgré la pandémie, le gouvernement s'est engagé à atteindre l'équilibre budgétaire dans un horizon de 5 ans. Est-ce que le gouvernement fédéral aurait intérêt à suivre l'exemple du Québec? Il y a sûrement beaucoup de pression pour qu'on l'alimente ou qu'on donne un peu plus un calendrier précis pour le retour à l'équilibre budgétaire, mais avec un déficit qui pourrait cette fois-ci dépasser les 400 milliards de dollars, il ne faut pas l'écarter, je pense que ça n'arrivera peut-être pas avant la prochaine décennie, donc je pense que ça va être mis à vraiment, vraiment plus tard. Il va falloir attendre encore pas mal longtemps. En tout cas, on verra plus de détails sur cette mise à jour économique lundi prochain. Conrad, Altia, Joël Denis, merci, on va s'en parler la semaine prochaine. Bon week-end. Donc, merci à vous. Bye-bye.
Et enfin, l'ancien premier ministre du Québec, Jean Charest, fait partie d'un groupe de travail chapeauté par le Wilson Center de Washington, qui a été mandaté pour proposer des façons de rouvrir la frontière entre le Canada et les États-Unis de façon sécuritaire quand la pandémie sera derrière nous. La frontière, on le sait, est fermée depuis le 18 mars et le restera au moins jusqu'au 21 décembre. Jean Charest a répondu à nos questions. Bonjour, M. Charest. Bonsoir, Mme Bégin. Évidemment, la frontière canado-américaine, c'est une frontière qui est hyper importante, une des plus grandes au monde. En temps normal, il y a plus de 400 000 personnes qui la traversent chaque jour. On a juste à penser qu'il y a 2 milliards de dollars d'échanges commerciaux entre les deux pays chaque jour. Donc, c'est gros. Je vous demanderai d'abord, quel est votre mandat exactement avec ce groupe de travail? On vous a mandaté pour faire quoi au juste? Ben, on nous demande de nous projeter dans l'avenir pour tenter de cerner les conditions de réouverture de la frontière entre le Canada et les États-Unis. Et l'analogie ou la comparaison en termes d'impact ressemble un peu à ce que nous avons vécu après les événements du 11 septembre. Et lorsque cette tragédie a eu lieu, l'ambassadeur des États-Unis au Canada à l'époque s'appelait Paul Cellucci, avait dit une chose qui a beaucoup marqué les esprits. Il avait dit « From now on, security trumps trade », dans le sens où la condition pour pouvoir faire du commerce, c'est de respecter de nouvelles consignes de sécurité. Et Mme Bégin, ben, on peut facilement penser que ce sera la même chose à l'avenir, mais pour des raisons de santé et des questions sanitaires qui vont conditionner dorénavant notre capacité de pouvoir traverser la frontière des deux côtés. Bon, vous le dites, c'est pas la première fois que le Canada et les États-Unis ont des défis avec la frontière. Ça a été le cas notamment lors de la signature de la première entente de libre-échange en 1988. Vous parliez il y a un instant des attentats du 11 septembre 2001. C'était des enjeux de sécurité. Maintenant, c'est des enjeux sanitaires. Jusqu'à quel point, justement, le défi de la pandémie, parce que c'est quand même la première fois qu'on vit une pandémie, c'est différent de ce qu'on a connu jusqu'à maintenant aux frontières, en termes de défis aux frontières? Les effets sont beaucoup plus radicaux que ce que nous avons vécu le 11 septembre. Le 11 septembre, les Américains ont fermé leur espace aérien, mais la frontière terrestre est restée ouverte. Et après ça, ben, il y a eu des mesures de sécurité de mise en place, il y a eu des changements de politique. Vous vous rappellerez que c'est à partir de ces événements-là que les Américains ont exigé qu'à l'avenir, tous ceux qui se présentaient à la frontière devaient porter un passeport. Ce n'était pas le cas avant les événements du 11 septembre. Et là, le gouvernement québécois et le gouvernement des États du Vermont, New Hampshire, ont fait des permis de conduire qui étaient spéciaux pour passer à la frontière pour éviter l'achat d'un passeport. Alors, il y a eu toutes sortes de conséquences similaires. Maintenant, pour l'avenir, c'est encore plus important dans la mesure où les gens vont craindre une contamination. Alors, et comment s'assurer que ceux qui se présentent à la frontière, les personnes, sont en bonne santé? Est-ce qu'on va exiger une vaccination? Est-ce qu'on va demander un examen de santé? Est-ce qu'on va prendre leur température, comme on le faisait déjà en Asie? On peut facilement deviner qu'il y aura des mesures qui seront plus contraignantes. Bon, visiblement, ça va être très, très concret, ce que vous allez proposer finalement au terme de vos travaux. Parlant de vos travaux, bon, on sait qu'il y a des Canadiens, des Américains sur ce think tank. On est toujours en pleine pandémie. On peut présumer que vous n'êtes pas en train de vous rencontrer en personne. Comment ça va se tenir les rencontres? Comment vous allez vous y prendre? Ben, on va y aller virtuellement, comme nous le faisons. Et moi aujourd'hui. Alors, il y a déjà une rencontre qui est prévue avec l'Association des gens d'affaires États-Unis-Canada, mais il y a également au Wilson Center, qui est un des grands think tanks américains qui ont des ressources. Ils ont déjà des chercheurs qui sont à l'œuvre pour défricher le terrain, identifier là où il y a des sources de solutions. Et là où c'est intéressant entre le Canada et les États-Unis, c'est que nous avons l'habitude de faire des projets maintenant conjoints. C'est-à-dire que, prenez la carte Nexus là, qui sert à accélérer. Mm-hmm. Eux, ils ont Global Entry. Les deux bases de données sont fusionnées et servent un gouvernement et l'autre gouvernement aussi. Alors, nous avons l'habitude. On a les postes de prêt de dédouanement qui sont merveilleux. On le sait, c'est très, très pratique pour les voyageurs. Alors, nous avons cette habitude de travailler ensemble que nous voulons maintenir
pour l'avenir et faire en sorte que le passage de la frontière soit fait de manière aussi efficace et rapide que possible. Mm-hmm. C'est ce que nous voulons. Nous savons ce qu'on veut éviter. On veut éviter qu'il y ait des longues files d'attente et que ça devienne très bureaucratique, très compliqué, parce que les effets de cela seraient dévastateurs pour l'économie. Ça découragerait les Américains de venir au Canada et vice-versa. Bon, on sait que vous devez remettre votre rapport en mars prochain. Quand cette frontière pourrait rouvrir, selon vous, à la population, en fait, au transport entre les deux populations? Bien, d'abord, sur le plan du commerce, ça fonctionne bien en ce moment. Oui. On crée au moment de la fermeture que ça allait avoir un effet sur le commerce, mais ça fonctionne assez bien. Là où c'est compliqué aujourd'hui, là, c'est les professionnels qui traversent, les gens qui ont des spécialités. Puis on sait qu'il y a une certaine mesure d'arbitraire dans les décisions prises par les officiers à la frontière de laisser entrer ou non les gens. Alors, on veut y aller le plus vite possible. Mais l'opinion publique, Mme Bégin, vous savez, au Canada, est assez ferme. Mm-hmm. Les gens ne veulent pas que nous réouvrions la frontière à court terme. Ils craignent une contamination des Américains. Alors, ce ne sera pas avant qu'on ait une certaine certitude, un certain contrôle sur la pandémie des deux côtés de la frontière que nous allons réouvrir. Et je ne pense pas que ça va se faire le mois prochain. Je ne vois pas ça. Probablement, nous en avons encore, à mon avis, pour au moins quelques mois. Donc, il va falloir attendre avant de rouvrir la frontière. Un mot avant de vous laisser aller, M. Charest, sur l'élection de Joe Biden à la présidence aux États-Unis. Il y a vraiment beaucoup d'espoir de ce côté-ci de la frontière à la suite de cette élection, après 4 ans du régime de Donald Trump. On sait cependant que Joe Biden a un programme quand même assez robuste de Buy America, ce qui pourrait avoir des effets sur les industries au Canada. Vous avez été évidemment en première loge de négociation d'entente commerciale. Est-ce que les entreprises canadiennes doivent s'inquiéter de l'arrivée de Joe Biden à la présidence des États-Unis, de son programme de Buy America? Bien, le programme de M. Biden et l'engagement qu'il a pris là-dessus, c'est très sérieux. Et les conséquences peuvent être très importantes pour nous et peuvent être très négatives. Et le Canada, périodiquement, ça revient, ça, comme sujet des politiques restrictives, protectionnistes des Américains. Et souvent, c'est pas nous la cible. C'est un autre pays, ça peut être la Chine, mais on est un dommage collatéral. En 2008-2009, dans la foulée de la grande récession, le gouvernement Obama avait proposé une loi qui incluait également du « Buy America ». Et notre réponse à ça, ça a été de proposer un accord de réciprocité pour les marchés publics. Et les provinces canadiennes, pour la première fois, avaient donné un mandat au gouvernement fédéral de négocier en notre nom. Et ça a été un succès. Alors, je pense que la chose à faire aujourd'hui, ce serait de proposer, avant que la loi soit écrite, une entente ou un accord de réciprocité, ce qui nous éviterait le fardeau et surtout les effets d'une loi qui Buy America et qui serait négatif sur l'économie canadienne. Alors, on verra la suite de ça. Jean Charest, ancien premier ministre du Québec et ancien vice-premier ministre du Canada aussi, il faut le mentionner. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, Mme Bégin. Au revoir. Alors voilà, ça complète notre vue de la semaine politique à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite un excellent week-end et à lundi.